La guerre que mène le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda dans l'est de la RDC, demande notre attention. En effet, la situation humanitaire est alarmante. Nous sommes témoins d'une foule de maux qui accompagnent cette guerre. Insécurité, recrutement forcé et déplacement des civils, exécutions sommaires et massacres font désormais partie du décor de l'Est de la RDC. Cela provient des rapports du Human Rights Watch et des Nations Unies pour les droits de l'homme qui en témoignent clairement. Comme nous venons de le mentionner, ces problèmes sont connus, de même que les solutions. Malheureusement, à la différence des problèmes, les solutions demeurent sur papier. L'Europe, Monsieur le Commissaire, Madame la Commissaire, l'Europe doit peser de tout son poids pour faciliter la mise en place de ces solutions, comme l'application de la feuille de route de Luanda et le processus de Nairobi. La souffrance a assez duré dans cette poudrière qui risque l'embrasement de toute la région si rien n'est fait. Martin Luther King a dit « Ce n'est pas peur de la méchanceté du mauvais, mais du silence des gens en athée. » Alors, brisons ce silence et dénonçons cette barbarie afin d'y mettre fin. Et au peuple congolais, vous êtes sur le rail de la démocratie, avec un grand challenge d'organiser les élections. Ne vous laissez pas sortir de cette route par les ennemis de la démocratie, car ils ne l'ont jamais goûté. Amani Kweno. Merci.